Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la troisième journée du Vlogmas. Donc aujourd'hui, je vous filme ça encore à l'avance. Je pense pas que je vais pouvoir faire des vlogs chaque jour. Donc je filme un petit peu puis je vous pose ça dès que je peux. Je pense que je vais en faire à peu près deux par semaine là, si possible. Donc aujourd'hui, on est lundi. Ça n'a pas donné pour filmer en fin de semaine. Je voulais filmer dimanche puis finalement ça a été super occupé. Donc, je vais filmer quelques journées cette semaine. Ça va être assez tranquille vu que c'est des journées de travail. Donc, je travaille de la maison et je vais vous filmer dès que je peux, dans le fond, ce qu'on mange le soir, puis donc des recettes, peut-être un peu de ménage aussi. Puis aussi, sur l'heure du dîner, je vais sûrement aussi emballer des cadeaux. Donc, j'en ai pas emballé encore. J'en ai acheté pas mal. J'ai quasiment terminé d'acheter mes cadeaux, mais j'ai pas commencé à emballer du tout. Je vais aussi écrire mes cartes de Noël pour pouvoir envoyer ça bientôt. Donc voilà, je vais aller me faire un petit café. Donc j'ai terminé de dîner, j'ai signé aussi quelques cartes de Noël, donc j'ai commencé ça, puis j'ai mangé, c'est ça, une soupe que j'ai faite hier. Dans le fond, là, c'est une soupe avec des wonton dedans, c'est super bon, donc je vais vous mettre la recette en barre d'infos si jamais ça vous intéresse de la faire. Puis c'est ça, là, il pleut, il a commencé à pleuvoir cet après-midi. Donc là, je vais aller continuer à travailler cet après-midi. C'est quand même une grosse journée de travail. Ça va être une grosse semaine aussi. Donc voilà, je vais continuer à travailler. Donc j'ai terminé ma journée de travail. D'ailleurs, je voulais vous dire que le café que j'ai fait ce matin avec le petit chocolat, c'était super cute pour la vidéo, mais honnêtement, c'est la première fois que j'écoutais puis c'était vraiment trop sucré. Honnêtement, j'aime mon café pas trop sucré, là, fait que ça goûtait la menthe puis tout ça, le chocolat, mais c'était un peu too much, là, je trouvais. Donc je voulais juste vous le dire, là, si jamais vous l'essayez, faut vraiment aimer le café sucré. C'est ça, là, je suis contente parce qu'en fin de semaine, j'ai pu mettre les lumières à l'extérieur sur le balcon. Donc j'ai filmé un petit peu, là, fait que je vais vous mettre le clip. C'est ça, je suis vraiment contente, c'est un petit truc que je voulais faire depuis longtemps puis que ça ne donnait jamais. Donc là, c'est ça, j'ai fini ma journée de travail, j'ai pas mal de vaisselle à faire, donc j'ai parti le lave-vaisselle. Puis je vais faire la vaisselle maintenant, puis après ça, je vais faire le souper. Donc c'est une recette que j'ai vue sur la page Facebook de, je pense que c'est la Parfaite Maman Imparfaite. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Donc chaque semaine, elle fait son menu de la semaine, puis j'aime ça regarder pour me donner aussi des idées et découvrir de nouvelles recettes. Donc ce soir, je fais une recette qu'elle avait sur son menu de la semaine. C'est des cuisses de poulet. Puis ça a l'air quand même assez simple, là, puis je vais faire ça avec des légumes, tout ça, donc un petit souper de semaine. Donc je vais faire la vaisselle maintenant, puis après ça, je vais faire le souper. Thank you.
matin. Donc, on est rendu mardi aujourd'hui. Hier soir, après le souper, j'ai édité la deuxième journée du Vlogmas. Donc, j'ai terminé ça, puis j'ai commencé à emballer quelques cadeaux. Je ne vous ai pas montré parce que c'est des cadeaux. Là, on fait une pige dans ma famille, donc je vais garder ça secret. Mais j'ai commencé à décorer, fait que j'ai mis ça en dessous du sapin. Puis là, ce matin, c'est ça, on est mardi, donc je vais commencer à travailler bientôt. J'ai fait des petites modifications parce qu'aujourd'hui, quand je filme, on est le 1er décembre et je voulais modifier quelques trucs sur ma vidéo. En fait, la première journée du Vlogmas. J'avais oublié de faire la photo pour la vidéo puis la description, fait que, en tout cas, je me suis levée tôt, j'ai fait ça ce matin. Et là, je viens de penser qu'on est le 1er décembre, donc on va ouvrir nos calendriers de l'Avent. Donc, j'ai acheté celui de la boîte à bonbons. C'est la première année que je l'achète, donc je suis vraiment contente. Puis, j'ai hâte de voir aussi qu'est-ce qu'il y a dans les petites portes. Et pour Simon, j'ai acheté celui de Bonne Maman, donc avec des confitures. Donc, on va aller ouvrir ça. Donc, celui-là ici, c'est celui de Bonne Maman. Il est super cute. Il est vraiment gros, là. Fait que c'est plein de sortes de confitures, de marmelades. Je pense qu'il y a même du miel aussi. Donc des mini formats. Puis moi j'ai pris la boîte à bonbons, donc avec des bonbons à chaque jour. Fait que c'est des genres de petites rondelles, probablement surettes. Ça va être full bon. C'est quoi? Oh, poire! Confiture Bonne Maman, poire et Mirabelle. Donc, il est rendu à peu près 3 heures. Je commence à avoir faim, fait que je vais me faire un petit thé, puis je vais sûrement manger peut-être un petit chocolat ou une petite collation. Puis là, c'est ça, je commence à penser à mon souper. Je pense que ça va être vraiment bon, là, le chili, là, j'ai hâte d'y goûter. Puis aussi, c'est ça, je voulais vous dire, si jamais vous n'avez pas déjà vu les autres journées du Vlogmas, tout ça va se retrouver dans la barre d'infos. J'ai aussi une playlist de vidéos de Noël, donc que j'ai créée dans le mois de novembre. Donc, si vous ne les avez pas vues encore, n'hésitez pas à les regarder. Thank you.